Unité 20. Conversation. Écoutez. Qui vient de téléphoner? C'est Monsieur Duval qui a téléphoné. Qu'a-t-il dit? Il arrive demain matin. Par quel train? Par celui qui arrive à la gare Montparnasse à 9h10. Répétez. 1. Qui vient de téléphoner? 2. C'est Monsieur Duval qui a téléphoné. 3. Qu'a-t-il dit? 4. Il arrive demain matin. 5. Par quel train? 6. Par celui qui arrive à la gare Montparnasse à 9h10. Répondez, répétez. 7. Qui vient de téléphoner? 8. C'est Monsieur Duval qui a téléphoné. 9. Qu'a-t-il dit? 10. Il arrive demain matin. 11. Par quel train? 12. Par celui qui arrive à la gare Montparnasse à 9h10. Écoutez. Qui est Monsieur Duval? L'ingénieur qui vient d'être embauché pour l'usine de Chartres. C'est quelqu'un de dynamique. Oui, c'est lui qui a dirigé pendant 10 ans les services commerciaux des Sceaux. Quel âge a-t-il? Je ne sais pas, 40 ans environ. Répétez. 13. Qui est Monsieur Duval? 14. L'ingénieur qui vient d'être embauché pour l'usine de Chartres. C'est quelqu'un de dynamique. 16. Oui, c'est lui qui a dirigé pendant 10 ans les services commerciaux des Sceaux. Quel âge a-t-il? 18. Je ne sais pas, 40 ans environ. Répondez, répétez. 19. Qui est Monsieur Duval? 20. L'ingénieur qui vient d'être embauché pour l'usine de Chartres. C'est quelqu'un de dynamique. 22. Oui. C'est lui qui a dirigé pendant 10 ans les services commerciaux des Sceaux. Quel âge a-t-il? 24. Je ne sais pas. 40 ans environ. Écoutez. 25. Ta sœur peut-elle faire une commission à Monique? 26. Oui, si elle la voit. Demande-lui. 27. Marie, voyez-vous Monique demain? 28. Sans doute, je la vois presque tous les jours. 29. Pourquoi? Vous voulez lui faire une commission? 30. Oui, dites-lui de me téléphoner sans faute demain soir. 31. Je peux compter sur elle? 32. Évidemment. En principe, elle se voit tous les jours au bureau. Répondez, répétez. 33. Ta sœur peut-elle faire une commission à Monique? 34. Oui, si elle la voit. Demande-lui. 35. Marie, voyez-vous Monique demain? 36. Sans doute, je la vois presque tous les jours. 37. Pourquoi? Vous voulez lui faire une commission? 38. Oui, dites-lui de me téléphoner sans faute demain soir. 39. Je peux compter sur elle. 40. Évidemment. En principe, elle se voit tous les jours au bureau. Écoutez.
Qui est-ce? Je l'ai déjà rencontré. Françoise? Mais oui, tu l'as vue chez moi. Je ne me souviens pas. Quand? Pour mon anniversaire. C'est une blonde aux yeux noirs. Celle qui a joué de la guitare? Oui, c'est ça. C'est elle. Répétez. 41. Qui est-ce? Je l'ai déjà rencontré. 42. Françoise? Mais oui, tu l'as vue chez moi. 43. Je ne me souviens pas. Quand? 44. Pour mon anniversaire. C'est une blonde aux yeux noirs. 45. Celle qui a joué de la guitare? 46. Oui, c'est ça. C'est elle. Répondez. Répétez. 47. Qui est-ce? Je l'ai déjà rencontré. 48. Françoise? Mais oui, tu l'as vue chez moi. 49. Je ne me souviens pas. Quand? 50. Pour mon anniversaire. C'est une blonde aux yeux noirs. 51. Celle qui a joué de la guitare? 52. Oui, c'est ça. C'est elle. Écoutez. Alors, finalement, comment faisons-nous? Ceux qui ont déjà leur couchette passent tout de suite sur le quai. Et nous? Vous n'avez pas eu de couchette pour nous? Mais si, vous attendez ici. Je vais au guichet. Pourquoi? Mais pour aller chercher celle que j'ai réservée par téléphone. Répétez. 53. Alors, finalement, comment faisons-nous? 54. Ceux qui ont déjà leur couchette passent tout de suite sur le quai. 55. Et nous? Vous n'avez pas eu de couchette pour nous? 56. Mais si, vous attendez ici. Je vais au guichet. 57. Pourquoi? 58. Mais pour aller chercher celle que j'ai réservée par téléphone. 55. Répétez. 59. Alors, finalement, comment faisons-nous? 60. Ceux qui ont déjà leur couchette passent tout de suite sur le quai. 61. Et nous? Vous n'avez pas eu de couchette pour nous? 62. Mais si, vous attendez ici. Je vais au guichet. 63. Pourquoi? 64. Mais pour aller chercher celle que j'ai réservée par téléphone. 65. Quel costume veux-tu mettre? 66. Celui que je viens d'acheter. 67. Avec quelle cravate? 68. Ça m'est égal. Celle que tu veux. 69. Veux-tu quelque chose à lire pour le voyage? 70. J'ai préparé des livres. Ceux qui sont sur le bureau. 71. Quelle valise prends-tu? 72. La petite que tu m'as donnée à Noël. Répondez. Répétez. 73. Quel costume veux-tu mettre? 74. Celui que je viens d'acheter. 75. Avec quelle cravate? 76. Ça m'est égal. Celle que tu veux. 77. Veux-tu quelque chose à lire pour le voyage? 78. J'ai préparé des livres. Ceux qui sont sur le bureau. 79. Quelle valise prends-tu? 80. La petite que tu m'as donnée à Noël. Écoutez. Quelles émissions y a-t-il ce soir à la télé? Il y a Jeux sans frontières, le programme que tu préfères.
Qui représente la France ce soir? Toulouse. Et sur les autres chaînes? Rien d'intéressant. Des films qui sont déjà passés plusieurs fois. C'est-à-dire? Un homme et une femme, de Lelouch, et Les vacances de Monsieur Hulot, de Tati. Répétez. 81. Quelles émissions y a-t-il ce soir à la télé? 82. Il y a Jeux sans frontières, le programme que tu préfères. Qui représente la France ce soir? 84. Toulouse. 85. Et sur les autres chaînes? 86. Rien d'intéressant. Des films qui sont déjà passés plusieurs fois. 87. C'est-à-dire? 88. Un homme et une femme, de Lelouch, et Les vacances de Monsieur Hulot, de Tati. Répondez, répétez. 89. Quelles émissions y a-t-il ce soir à la télé? 90. Il y a Jeux sans frontières, le programme que tu préfères. 91. Qui représente la France ce soir? 92. Toulouse. 93. Et sur les autres chaînes? 94. Rien d'intéressant. Des films qui sont déjà passés plusieurs fois. 95. C'est-à-dire? 96. Un homme et une femme, de Lelouch, et Les vacances de Monsieur Hulot, de Tati. Brie sur le vif. Écoutez. Attention, attention. Le train express 605 en provenance de Paris, à destination de Lyon, entre en gare au quai 3, voie B. Les voitures de première classe sont en tête. Ce train comporte un wagon-restaurant. Au revoir, Jacques. Nous avons passé un week-end formidable. Salut, bon voyage, à bientôt. Fermez les portières, s'il vous plaît. Attention au départ. Répétez. Attention, attention. Le train express 605 en provenance de Paris, à destination de Lyon, entre en gare au quai 3, voie B. Les voitures de première classe sont en tête. Ce train comporte un wagon-restaurant. Au revoir, Jacques. Nous avons passé un week-end formidable. Salut, bon voyage, à bientôt. Fermez les portières, s'il vous plaît. Attention au départ. Écoutez. Départ à destination de Milan, vol Air France 757, embarquement immédiat. Satellite numéro 3, porte 12. Le commandant de bord et l'équipage sont heureux de vous accueillir à bord et vous souhaitent un bon voyage. Nous vous demandons de garder vos ceintures attachées et de ne pas fumer jusqu'à l'extinction des consignes de sécurité. L'atterrissage à Milan est prévu pour 12h15. La température extérieure est de 27 degrés. Répétez. Départ à destination de Milan. Vol Air France 757. Embarquement immédiat, satellite numéro 3, porte 12. Le commandant de bord et l'équipage sont heureux de vous accueillir à bord
et vous souhaite un bon voyage. Nous vous demandons de garder vos ceintures attachées et de ne pas fumer jusqu'à l'extinction des consignes de sécurité. L'atterrissage à Milan est prévu pour 12h15. La température extérieure est de 27 degrés.